Salut mes amis, j'espère que vous avez la forme. C'est votre petite Miss Nathalie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du deck de Ho-Oh. Voilà, je vous laisserai aller voir. J'aurai ouvert le deck de Lugia. Voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo. Voilà, et puis ben, on va voir ce qu'il y a dans ce deck là. Voilà, regardez les deux cartes promo avec un Pokémon légendaire de Suicune. Voilà, je vous montre le dos. C'est en anglais. Voilà. Alors, je vais ouvrir avec vous. On va voir ensemble ce deck. Bon, après, c'est pas très intéressant, mais le plus, c'est plus pour ces petites cartes promo. Et puis, le jeton. Oh là là, trop la place. Comme tu es dans Lugia, il y a le terrain, les petits jetons. Alors, on va ouvrir le code. Je regarde. Ensuite, le jeton. Attention, les cartes. Allez. Voilà. C'est bon. On est débarrassé du plastique. Alors, je prends trois petits decks pour protéger les cartes. Allez. Alors, je suis toujours là. Voilà, je mettais juste les protections. Alors, on a notre ami Ho-Oh qui est magnifique. Magnifique, magnifique. Franchement, très belle. Un magnifique oiseau légendaire qui est magnifique. Voilà. Comme dans l'autre, le deuxième est à donner. Si quelqu'un est intéressé, voilà, dites-moi en commentaire. Et notre ami Suicune qui est aussi pas mal. Voilà. Qui est magnifique, qui est magnifique. Deux magnifiques cartes, je trouve. Ça ira dans ma collection des petites promos. Et on va voir le magnifique jeton. Oh là là, regardez-moi, vas-y. Ah, c'est bon que ça. Franchement, il a la classe. Il a la classe. Et il est magnifique, il est magnifique. Très beau jeton. Alors, je pense pour le deck, ça va être reçu très petit. Ah, bah c'est la mode, je crois que maintenant ça commence. C'est la mode des énergies. Ah, là, il y a tout. Oh, c'est cool. Oh, Rafflesia. Orchide. Oh, mais c'est tout. Oh, il est trop mignon. Oh, il est tout mignon. Il est tout mignon. Attendez, je vous rapproche un petit peu. Oh, il est trop mignon. Ensuite, une machine, un professeur, je sais pas trop, le bouclier, l'échange, hyperballe, la canne à pêche, une dresseuse, Sana, une énergie, la lettre du professeur, encore un professeur, le fan club, la machine, N, notre amie Ondine, d'autres dresseurs. Alors ici, oh, pas mal, pas mal. Ok. Eagle Warrior, Imbu Mare, Téléfix. Oh là là. Oh, ce qu'elle est belle. Oh là là. C'est un de mes Pokémon légendaires que j'aime beaucoup. Oh, avec ce style... avec la lune, la nuit, la lune. Oh là 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 là. Et franchement, très très belle. Très très belle. Très très belle. Je vais juste voir c'est qui a dessiné. L'illustration 5 Ben graphique. Bon. Ça me dit pas, mais franchement, elle est trop belle. Waouh. Oh Didil. Bah, très joli deck, très très joli deck. Il y avait de magnifiques illustrations, beaucoup Orchide, j'ai beaucoup aimé, et puis Miloeta, que j'ai trouvé ça très stylé. Et pour une fois, j'ai eu tous les énergies au reverse, c'est un truc de fou.
Et voilà, comme celle-ci, c'est vraiment une petite vidéo, c'est juste pour... peut-être c'est pas trop intéressant, mais c'est juste pour le jeton, puis les petites cartes. Bon, c'est pas des cartes promo, mais moi je les prends comme des cartes promo. Et puis voilà, tout simplement que... Elles sont magnifiques, et puis pour le jeton, ben voilà. N'oubliez pas, hein, dites-moi en commentaire. Et sinon, bah, la vidéo va se terminer. Si tu as aimé, n'oublie pas le like, commenter, partager. N'oublie pas le plus important, abonne-toi à ma chaîne. Allez, bye tout le monde!